Hello à vous toutes et tous, j'espère que vous avez la patate. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur The Hunter Call of the Wild, chasse à l'arc sur Yukon Valley. Donc, bien sûr, je vais éviter un peu les grizzlies. Bon, si je vois un loup ou un grizzly un petit peu spécifique, voilà, je le prendrai bien entendu en chasse. Mais je vais me concentrer sur les caribous, enfin les espèces un peu autres que les gros gibiers, comme j'ai l'habitude de faire. Et comme d'habitude, pour toutes les personnes qui vont travailler, je leur souhaite un bon courage et surtout de bien... Enfin, de mettre un masque, voilà, tout simplement. Allez, c'est parti pour la chasse, les amis. Regardez ça, what the fuck, quoi. Ça, c'est magnifique, ça. Donc c'est un petit élan. Alors je suivais les traces d'un beau caribou, mais malheureusement je l'ai perdu. Ok, déjà on voit la tache de sang. Hop. Saignement faible. Et puis quand c'est un élan, je vous garantis qu'il vous faut de l'élan pour aller le chercher, Drujo. Voilà le bébé. Donc la première bête, hein. Ok, parfait. J'entends les loups, Francis, c'est pas bon ça. Hein. Et donc on a un bel élan. Un élan, un caribou, pardon. Ok, nice. C'était le plus gros du troupeau. Un 4 facile, je suppose que ça va peut-être jusqu'à 5. Déjà, vous voyez un petit peu, hein. Ouais, ça doit aller jusqu'à 5 pour faire un... Peut-être un diamant. Alors j'espère tomber sur un. Et puis surtout lui toucher les organes vitaux, bien sûr. Il y en a un deuxième ici. Ouh! Elle a volé que t'as pris, Moulagov? Nice. Il a volé de là avec la flèche, il était là-bas. Ouais. Leader caribou. Enfin, des fois je dis élan, caribou, bref. Vous avez compris, hein. Voilà, donc encore un beau 4 facile. Munition adaptée, on a tout bon. On est bon, on est bon, on est bon, Francis, on continue. Bien sûr, on vient de commencer, tête d'œuf. Trujaman. Par contre, je vais changer l'heure parce que j'ai l'impression qu'il est tard dans le jeu. Ouais, ça va pas. Ah bon. Et ben voilà, c'est bien plus clair, bien plus joli. Nickel. Ok, je crois que j'ai trouvé une belle bête. On dirait qu'il est... Oh, j'en ai tué un ou deux qu'ils étaient avec, donc il y avait un brun roux. Et là, celui-ci, en fait, je le montre parce qu'il a l'air d'être tout noir. Ouais, je crois qu'on a affaire à un loup mélanique, hein. Mélanique. Parfait. Donc déjà un mélanique. Super, en début de vidéo, ça commence bien. Ah, nice. Magnifique, magnifique. Yes. Putain, après un mélanique. Alors, je pense pas que ce soit un albinos, par contre. Putain, il est beau. Hein. Je vous laisse apprécier la bête. Blanc d'œuf. Alors ça, je sais pas si j'avais, je sais que j'ai l'albinos ici qui d'ailleurs vous donne un succès. Et voilà. Une tête d'œuf. Empaillée, bien sûr. Bah, je suis bien content. Décidément, dès les premières minutes de la vidéo, les gens, j'ai envie de vous dire, on est gâtés, hein.
Super. Habituel, ok. Bon. Il doit y avoir un autre loup quelque part à Francis, hein. Bon, je vais pas faire que du loup, je vais retourner bien sûr au caribou, etc. Mais voilà, comme je vous dis, quand je trouve des trucs comme ça, il y a moyen que je vous les partage, obligé. Merde, il s'est mis dans quelle position lui? Ok, je me suis chié sévère. Ok les gens, j'avais pas fait attention, regardez ce que je viens de faire. 9 légendaires directement. Et un diamant, s'il vous plaît. Super. Bah oui, il y en a un autre à Drujo. T'es retrouvé, vilain? Donc voilà, la neige tombe. Ok, il va juste falloir que je retrouve les traces. Bah, je vais aller le chercher, Francis. Hein. Yes. Quel okay, genre, voilà le corps. Ça fait une sacrée bête quand même. Hein. Bon, vivement le 5. Hein. Ah, dommage. Un loup gris. Ok, donc là on a une femelle de différentes couleurs. Ok, elle est tombée. Donc c'est brun roux, il me semble. Hein. Organe touché, nice. Eh merde, elle a la tête dans la. Non, ça va. Donc, ça c'est un peu moins rare, hein. On en trouve. J'en ai tué une tout à l'heure. Donc, voilà. On va juste la vendre. Ok, on a une belle bête. Donc j'ai malheureusement pas encore trouvé, enfin c'est le début, mais moi ça fait un moment déjà que je suis sur le jeu. J'ai pas encore trouvé de 5 difficiles. Là ça doit être un 4 encore je suppose. En tout cas cette map, ce qui est bien c'est le fait de la neige, le changement climatique en fait c'est plutôt... Enfin c'est plutôt, c'est très très bien foutu j'ai envie de dire. C'est ce qui donne le charme de cette map. Allez hop. Oh là là, merde. Bon ben je crois qu'il n'y a pas plus de 4 faciles si je l'ai eu en diamant alors. Peut-être que si, peut-être que non. Donc encore un diamant les gens. Voilà. Elle vaut le coup cette chasse, elle vaut le coup. Et on paye le où tu vas là. Oh. T'as vu Francis, il a failli te faire une connerie, hein, Drujanas. Regardez cette belle vue. Magnifique. Allez, un beau caribou. Nice, il m'a regardé avant de mourir. Donc c'est un 4 facile, ça veut dire qu'il peut être peut-être en diamant ou pas. Non, le score était pas assez haut. Bon, c'est toujours ça de prix, hein. Alors j'entends les loups là-bas, je vais essayer d'aller jeter un oeil. Regardez qui voilà. Super.
Putain, les loups, ils sont motivés, hein. Pas diamant. Voilà, diamant, ça doit arriver à 400. 400,3. Lui, il est à 300, voilà. En fait, je viens juste de remarquer ça. Mieux vaut tard que jamais, Drujo. Ok, donc si j'ai bien compris, lui, il ne pourra pas être diamant. Par contre, il est mort, hein. Parce que ça arrivait jusqu'à 343, je crois. Donc un or. Voilà, bon, il est monté à 338. Ok, d'accord. Bien à savoir. Ça, ça pique, hein, Francis, hein. Bah. Rujo. Allez, cours, Bambi, cours. Donc là, pareil, s'arrêter à 343 max. Les deux autres, bon, c'était des petits, donc... pas bien d'importance. Voilà, 339. Je vais y arriver à en refaire un, hein, je vais y arriver. Ou pas, Drujo, ou pas. Ouais, celui-là, il monte à 200 et quelques. Donc ça doit être un argent. Pas tout cassé. Donc c'est bien de savoir ça au final. Ok, bon. Ça va. Ça va, elle s'est pas sentie trop proche, elle. Elle allait voir son mal une dernière fois. Aucun argent, je pense. Voilà, c'est ça. 202. Ah, le diamant sur lui, c'est à 290, donc ça dépend les espèces, ok. D'accord, d'accord. Tout au calme. Ah bah mon vieux, lui il avait la dalle. Donc alors il est de 37 à 40, ce qui fait qu'il est possible qu'il soit de diamant. On va voir ça au niveau des loups, mais... il est à 38. Oh putain, le diamant est à 39, quoi. C'était pas loin. Bon, ça reste un beau 8 mythique tout de même. Donc vous voyez, hein. 3 km, quand je vous dis que voilà, ça me prend du temps, c'est parce que ça me prend du temps, Drujo. Ok, en plus je l'ai pisté, puis du coup c'est lui qui a essayé de me bouffer. Salopard. Drujo. Regardez cette belle bête. Oh, il est beau celui-là. Hein. Il a de beaux bois. J'espère seulement que je vais pas le perdre. Et vous voyez, ces pattes, elles vont... ouais, d'accord. Bizarre. Bah écoutez, on va avancer, on va le chercher. Hein. C'est très joli. Hein. Ah, il est beau. Hein. Ok.
Oh là là, il était pas loin du diamant. Diamant à 290. Vraiment dommage. Ok, une belle bête. Un peu de changement. Monter beaucoup plus haut sur la map là et pour l'instant je vois pas grand chose hein. Ah, tu clignotes de rougeau en diamant, c'est 14. Putain, je n'ai jamais vu, j'ai vu jusqu'à 8 des fois, ou alors j'ai pas fait attention. Ah si, parce que j'ai déjà eu des ors en or, mais j'ai jamais eu en diamant. C'est quoi cette dégaine? Donc il n'y aura pas au diamant, c'est un or. Il monte pas jusqu'à 400. Mais il est bien grassouillé, la bestiole. Ouais, il était loin d'ailleurs du diamant. Hein. Qu'est-ce que je peux me faire comme fric sur cette map, les gens, c'est impressionnant. Hein. Bon, en même temps, j'y passe des heures. Hein. Regardez avec les feuilles qui passent et tout. Là. Ouais, des fois, vous voyez, je joue, mais je prends aussi le temps de... J'ai un beau point de vue comme ça, donc je vous le partage. Hein. C'est vraiment. Ah, c'est super beau, Francis. Hein. Ouais. Allez, let's go. Ok, celui-ci monte jusqu'à 12, donc or certainement. C'est bizarre qu'ils ont adapté ces flèches. J'aurais mis des flèches plus petites quoi. Il est beau, hein? Non, argent. On avait dit que or c'était à 10, ça il est pas monté à 10, d'accord. Mille quatre cents directement. On va monter sur le caillou. Je vous laisse admirer cette belle vue. Il y a du boulot à chasser là-dedans, moi je vous le dis, hein. Allez, descends de là, Drujo. Allez, courbe là. Ça va, il va pas trop vite. Bah ouais, je sais pas ce que tu viens faire là, Moulagov. Je sais que j'ai du bon spray. Voilà, on va chercher le corps. Je vois une flèche qui clignote. À savoir que je n'ai jamais fait d'épis ou albinos comme ça. Ça doit être super joli, j'en ai déjà vu bien sûr dans des lodges. Hein. Ou sur notre page Facebook, là, il y en a beaucoup qui partageaient. Et ouais, il y avait des puits, tout ça, super joli, quoi. 221, ok. Je veux un pi! Oh, dis donc, il m'est passé devant, je l'ai pris à la volée. Un set très difficile, je savais pas que ça existait du tout. Ok. On va l'empailler, hein. Je ne sais même pas si j'en ai de ces bestiaux.
D'accord. Nice. J'avais pas fait attention en fait. Sur le coup, il est passé, j'ai tiré, il s'est pris une flèche. Et je lui ai mis une deuxième. Et puis, pas mal. Putain, 1500 billets quoi. Nice. Voilà, par contre, tout ce qui est bison des plaines, je les laisse tranquilles. Je regardais juste simplement dans le troupeau s'il y avait un albinos ou pas. Il n'y en a pas. Ok, bon, je vais pas me faire charger non plus, hein. On va les laisser partir tranquillement. Bientôt les volatiles, bientôt. Ok, donc là nous avons un beau caribou. Check. Ah, il a clignoté Francis, hein. Donc celui-ci ira jusqu'à l'or, certainement pas plus loin. Voilà. Ah, il était loin du diamant, ce drujo. Ok, est-ce que celui-ci peut arriver au diamant? Faut voir déjà s'il y a un organe vital touché. Mais il a chié en même temps, dis donc, salopard. Aucun organe vital touché, mais c'est pas possible. La poisse. Ok, j'ai dû mettre une deuxième flèche et... Ouais, bon, de toute façon, il est à 38,3 sur 39 pour être diamant, donc il l'était pas. Mais bon, c'est déjà une belle bête. Là, on a un sacré troupeau. Donc, il y avait trois mâles identiques, hein. Ok, il est mort, lui. Trois mâles identiques, c'est-à-dire qu'il montait à 343. Je veux dire argent, pas diamant. J'ai fait une sélection. Il l'a pris où, ouais. Wow. Ouais, t'as mangé mon vilain. Ouais, il montait à 361. Ah ouais, vu comment il est tombé, j'aurais presque cru lui avoir touché le cœur, tiens. Ok, donc apparemment un 8 mythique. Oh! Il est tombé raide. Encore 38 hein. Ah, le cœur a été touché, ok, d'accord. Je comprends mieux, Francis, hein. Ok, il peut monter jusqu'à 438 en score. C'est-à-dire qu'il peut être diamant. Je veux pas regarder si j'ai touché un organe vital ou pas. Croisez les doigts. 438 hein. Et le et pour le diamant on a vu que c'était du 400 hein. Oh, vu la flèche a pu. Ah non c'est bon putain diamant. Oh nice. Putain puis il était tout juste Auguste hein.
4,9. Ah, je suis bien content, une belle bête. Ah, je vais l'empailler, tiens. Voilà, ça m'en fera de plus. Ok, année normale. Bon, c'est pas un gros. What the fuck? Il est mort, mais dans l'eau. Peut-être qu'il a fait un gros saut, Francis, hein? Ok, c'était le mâle, c'est un tout petit, hein. Ah, j'ai mis une flèche là. Oui, les louveteaux, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive. Ok, on a un beau coloris là. Ok, elle a pas été loin. Mais non, qu'est-ce que t'étais fou de ta tronche là-dedans, ouais. T'as vu le truc ou quoi? Brun roux. Ok, bon, bah, impeccable. Ah, il y avait une flèche en trop. Ok, nice. Ok, de 343, il monte à 438. Voilà. Je veux dire, ça peut être un diamant si je l'ai touché correctement. Yes! Alors j'en avais vu un autre qui montait jusqu'à 348, donc or, automatiquement, il dépassait pas les 400. Et j'en ai vu un deuxième courir là. J'avais pas fait attention à lui, donc je ne sais pas. Peut-être un autre. Qui sait? Qui sait, Moulagoffre? Celui-ci s'arrête à 343, donc or. Par contre, j'ai pas retrouvé l'autre et il a dû partir beaucoup beaucoup plus loin. Et je pense que c'était pareil. Hein. C'est magnifique avec ce paysage là, la neige, c'est super beau, hein, vraiment. D'ailleurs, ça me donne une idée, donc or, hein, comme dit. Hein. Ça me donne une idée pour la prochaine chasse à l'arc, c'est-à-dire faire du renne, etc. Sur la map médiève Taiga. On verra ça. Voilà, on va continuer déjà, ce sera pas mal. Non mais le jeu me gâte, regardez la couleur qu'il a celui-là. Et puis regardez comment il est mort celui-là. What the fuck, c'est quoi cette couleur? Waouh! On dirait une vache. Couleur pie. Attendez, on a vu du brun roux, du mélanique, du pie, brun roux, mélanique, pie, et blanc d'œuf. On est bien, on a vu du diamant, on a vu du légendaire, c'est-à-dire moi, je déconne, c'est la fatigue, c'est la fatigue. Ah, je suis bien content d'avoir fait un pic comme ça, il est magnifique. Franchement, je suis content, il est beau. Par contre, vous vous doutez bien que c'est une longue vidéo, ce qui fait que je fais des pauses, je reviens en jeu. Donc c'est normal que je trouve voilà, beaucoup de... Enfin, beaucoup, entre guillemets, de bestiaux. Parce que là, j'ai déjà peut-être un peu plus de 8 heures de jeu, là. Voilà, sur le peu de vidéos qu'il y a...
C'est pour vous dire que voilà, on les trouve pas comme ça. Hein. Je me permets même de vous conseiller souvent quand vous avez fait un pi ou une bestiole rare, et souvent de redémarrer le jeu. Et voilà, moi c'est ce que je fais en fait quand je fais les pauses des vidéos qui fonctionnent bien pendant 5 minutes par exemple. Je fais des pauses, je quitte le jeu, je reviens. Et je pense qu'il y a toujours une ou deux bêtes aléatoirement qui sont soit pie, soit albinos, soit mélanique, soit blanc d'œuf ou hivernal, n'importe, peu importe. Mais je pense que c'est fait quand même. C'est-à-dire que si vous restez sur la même partie pendant 15 ans, je pense pas que vous allez trouver 40 000. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Quand je fais mes pauses, je quitte, je reviens et. Et voilà, on est reparti à la chasse. Donc là, je viens de redémarrer. Les Otikwin, ils sont tous morts, quoi. Adios amigos. Bon bref, ceux-là je vais les ramasser, je vais pas vous les montrer, c'est des petits insignifiants qu'ils ont osé essayer de m'attaquer. Non mais sans blague. Oh quand même, cher crâne cerveau. Ouais, vous voyez, c'était surtout des... Ils m'ont chargé, ils m'ont attaqué, puis après ils ont été en PLS rapidement. Hein. Je voulais pas vous les montrer, mais bon, je les ramasse en 2-2, donc il n'y en a pas pour long. Je dirais qu'il a planqué une flèche, lui. Voilà, c'est des petits, hein, vraiment. Regardez-moi ça. Alors, je pense que c'est un blanc d'œuf. Il a les yeux bleus. Blanc d'œuf, voilà, ben ça fait le deuxième, hein. Ah, j'ai beau passer des heures. Ça me fait plaisir, puis c'est pour vous, et voilà, et franchement, je trouve de superbes, cette partie-là, de super animal. Franchement, je suis pas mécontent. Il y a des loups là-bas, allez. Oh, lui, il était vénère. Il y avait un troupeau. Donc il y avait plusieurs quêtes faciles et j'ai regardé, c'était tous. Voilà, ça allait pas au-dessus de 400. Oh, ça a piqué, je crois, là-haut. Ah, il y avait du people. Un petit 4 facile. Ah, il s'est écroulé. Donc c'est un or, hein. J'ai fait ce qu'il fallait. Ah non, même pas. Même pas, même pas. Ok, donc vu son coloris. C'était mélanique. Il descend de la montagne à cheval.
Ouais, à mon avis, il a tout du mélanique, lui. Et voilà, mélanique, encore une fois. What the fuck, quoi. Là, il y a vraiment de beaux pelages sur cette vidéo. Ah, je suis content. Je suis content, Francis, hein? Et donc là, nous avons une très très belle bête. Regardez ce qu'il y a, quoi. Allez, diamant. Quand je vous dis qu'on voit des belles bêtes sur cette vidéo. Empaillé, empaillé, oh. Et j'entends siffler le train. Nice. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un élan. Celui-ci, vous voyez, je lui ai donné de l'élan. Bon, c'est un petit par contre, hein. Là, il a tourné en rond, quoi. Bah, je vais aller le chercher. Ok, ouais, il est tout petit. Histoire d'enfer, hein. C'est ça, fuis, Brujo. Avec ça, ça passe un peu mieux. Donc voilà, c'est un bruit en roue. Bref, j'en ai empaillé un petit peu et là, comment dire, sincèrement. L'évaluation est pas terrible, ouais. Je ne vais pas l'empailler, hein. Voilà donc les gens, c'est ici que s'arrête cette vidéo. En tout cas, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit schtroumpf et surtout, prenez soin de vous. Allez, la bise les gens, pardon. Excuse-moi, je suis un peu fatigué. Allez, ciao, ciao, à bientôt.